Hello! Je suis de retour après plusieurs aventures de ce côté, donc j'ai pas pu faire de vidéo pendant un moment. Donc aujourd'hui, on va essayer d'utiliser les palettes de chez Saga Cosmetics, encore une marque qui fait des palettes pas trop chères. Donc à la base, je voulais cette palette et la deuxième qui va avec toutes les couleurs. Donc normalement, je vous la mets sur le coin ici et ici. Et donc, à défaut d'avoir pu avoir la deuxième palette, j'ai pris celle-ci, la verte. Et donc, on va essayer de faire un make-up vert, comme la jeune fille sur la photo. Mais comme la base blanche n'est pas encore arrivée, on va pas pouvoir faire ce make-up. Et voilà. Pourquoi je fais une vidéo sur le make-up aujourd'hui? Parce que je voulais déjà acheter des palettes et du make-up sur Saga Cosmetics, donc là, j'ai pas trouvé, donc j'ai dû attendre un petit peu. Et donc, parce que c'est aussi important de prendre soin de soi, d'avoir une bonne présentation, parce que je vais vous dire, mon voisin, les murs ici sont très très fins. Et quand on passe à côté de mon voisin, que je vais vous mettre ici et ici, et ben ce type, il sent très mauvais, mais d'une odeur pas possible, hein. Je crois qu'il se lave pas, et tout le mois d'août, ça sentait, mais une odeur dégueulasse, quoi, ça sentait les odeurs comme pour être, je vous dis pas quelle partie du corps, mais c'est dégueulasse. Dégueulasse. Dès qu'on passe à côté, et on le sent de loin, le type. Hein. Apparemment, il est handicapé physique, mais là, c'est plus un handicap physique de sentir comme ça. Là, c'est un handicap mental. Là, hein. Je crois que c'est de la schizophrénie, de ne pas se rendre compte des odeurs qu'on dégage, de la façon dont les gens nous voient, nous perçoivent. Oui, donc en fait, ce qui est autour de lui, il s'en fout, quoi. Ces odeurs qu'il dégage, il s'en fout. La façon dont les gens le regardent, il s'en fout. Parce que nous, on passe à côté, et on ne veut pas passer à côté pour sentir ces odeurs, quoi. Je veux aussi passer à côté de gens et pas sentir leurs odeurs, leurs odeurs corporelles. Hein. Je ne veux pas sentir les odeurs particulières de certaines personnes. Donc, mes cheveux, ça a l'air bien. Et on va mettre un maquillage vert, comme ça, aujourd'hui. Et comme la fille sur la photo, normalement. Mais apparemment, j'ai pas assez bronzé. Quand j'étais partie à Athènes au mois d'août. Mais par contre, avant de bronzer, j'avais quand même des plaies dues au soleil. Dès que je mets le visage au soleil, paf, j'ai des plaies, des brûlures. Et donc j'ai tout fait pour essayer de protéger un petit peu ma peau. Mais je suis revenue quand même bien bronzée. Et donc voilà. Si à chaque fois que je me mets au soleil, j'ai des plaies et des brûlures, c'est pas très bon. Hein. Il ne faut pas se mettre au soleil. Donc là, je mets une base blanche parce qu'on va mettre du vert clair. Donc comme le vert clair est tellement clair et que j'ai la peau très foncée, très bronzée suite au soleil, on met une base blanche. Elle sera pas très très blanche. Pas vraiment une base blanche, hein. Je mets un fond de teint pour plus diaphane. Parce que la base blanche n'est pas encore arrivée. Il faudrait que ce soit beaucoup plus clair. Après, je vais essayer de mettre une base normale. C'est blanc. Mais c'est déjà plus clair au niveau des yeux. Parce que tout blanc. Je vous conseille, si vous mettez des teintes comme du jaune et du vert, de mettre une base vraiment blanche, quoi. Parce que le mien, il n'est pas vraiment blanc. Donc, du coup, ça va se voir à peine, quoi. Au pire, je refais le make-up la prochaine fois sur du vert. Les murs sont très fins, comme je disais, on entend tout ce que font les gens quand ils vont aux toilettes, quand ils tirent la chasse, quand ils font la cuisine. Et donc, le voisin dont je parle, il ne prend jamais sa douche, surtout cet été-là. Oui. Je me demandais s'il pisse dans le lavabo. Ah, c'est vraiment dégueulasse. Ah, le visage correct par rapport à. Bon. On va pas en discuter, hein. Et donc, je vais utiliser les peintures de ces joueurs cosmétiques. Avec un pinceau mélangeur. Mais que je vous dise, les pinceaux de chez Sephora, si vous avez du make-up pas très bien pigmenté, eh ben, ils sont très très efficaces. Ils augmentent justement la pigmentation. C'est ce que j'ai essayé sur du violet aujourd'hui et hier. Donc, ils augmentent vachement la pigmentation. Et là il y a encore du violet parce que j'ai pas la dépassée, donc c'est une situation.
Donc je vais mettre une espèce de petit ruban. Peut-être que ça va être un frais, peut-être pas. Une sorte de chat. Je vais pas en faire un petit peu de tout. Si on peut mal. Donc, pinceau, ombre à papier. Et on va passer sur du vert très clair, sur la palette verte de chez la palette plastique. Je ne vois pas grand chose. Ah, on voit quand même un peu ce pigment fuchs. Mais je crois que si on met une vraie base vraiment très très claire blanche, ça se verra mieux. Comme le mannequin sur la photo, ce serait très joli sur les peaux foncées. Sur les peaux bronzées. Première chose qui m'a choquée quand je suis arrivée à Athènes, c'est que les travailleurs à l'aéroport étaient carrément très bronzés, pour pas dire. J'avais la peau carrément. Non, pas carrément, non, mais vraiment très foncé. Et j'étais là, je me suis dit, oh, je suis pas très bronzée à côté de. Mais je les ai rattrapés. C'est vrai qu'à 38-40 degrés à Athènes, on rattrape toutes les gens. Vraiment, c'est des gens qui travaillent dehors. Comme ça, 6 mois à 38 degrés, ça va pas être assez long. Si la poêle commence à brûler comme je l'ai au niveau du sourcil, donc je vais pour mettre une photo. C'est des années que ma photo fait ça quand je m'en sers. Et on va changer le pinceau pour mettre une couleur plus claire. Cette couleur plus claire là, je vais mettre pour essayer de dégrader. Un vert pour vert. Est-ce que j'ai du blanc pour tout ça? Un pinceau d'étampeur ici et on va essayer d'étouffer le vert clair. Au pire, vous mettez du jaune, c'est joli ce jaune. Et on va mettre du jaune. Ouais, voilà. On voit quand même que j'ai mis du vert. Ok, cette palette est blanche. Oh, on peut mettre un très joli pailleté blanc là. On va essayer de le mettre. Hop, on met le pinceau. Pire, on mettra au doigt au milieu. Il s'avère que passer de 38 à 22 degrés, c'est quand même assez chaud. Je sais pas si c'est Covid. Puis je vais mettre sur cette deuxième palette le vert petit qui est en bas. Donc on est là. On entend tout, les murs sont extrêmement.
Merci pour la même. Ah, tout mieux. Et l'autre palette comme celle-ci, elle m'aurait été bien utile, hein, parce que j'aurais aimé avoir du violet et du bleu. Eh ben non, pas de violet, pas de bleu. Tant pis pour moi, je suis arrivée trop tard. Qu'est-ce que j'ai à faire? Je vais faire beaucoup de crème. Bien mettre du verre dessus. Et c'est ce qu'on va faire. Donc pour les fossiles, moi j'ai quoi? J'ai des fossiles comme ça que j'ai acheté sur eBay. Ils sont fins, ils sont pas trop mastoc. Ils sont pas trop mastoc. Et une boîte de 10, je crois que ça doit faire 2 euros, c'est pas mal. Je sais pas si j'ai acheté. Et sinon, pourquoi j'utilise cela? Parce que ces fossiles-ci, j'ai acheté aussi, c'est trop, ça fait vraiment très gratuit, du coup je préfère une fossile plus simple comme ceci. Qu'est-ce que tu fais? Alors on va, j'ai une pince fossile, je peux trouver chez AliExpress, et une colle fossile, et celle-ci elle est blanche. J'ai aussi des coffres aussi noirs. Au cas où vous loupez, il vaut mieux prendre du noir. Et là, on voit pas vraiment. Vous voulez plier au niveau de l'œil. Je crois que j'ai fait mon livre. Ah, je me suis dit les yeux immenses. Le deuxième.
Et on va mettre du mascara. Qu'est-ce que j'ai comme mascara? Je vais pas garder. Très joli devant. Je vais vraiment acheter un nouveau mascara. Tout va, allez, on va voir. On va voir si ça va. Donc cela me coûte des yeux. Je n'ai même pas mis d'anti-cerne, je n'ai même pas fait le teint, je n'ai rien fait du tout. C'est pas pareil que la fille sur le mannequin. C'est un autre objet. Avec des fossiles que j'ai vachement bien coupés quand même. Et voilà pour la vidéo sur Saga Cosmétique. Donc je n'ai pas eu la palette que je voulais, mais bon, on n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie. Et celle-là, je crois que je ne l'aurais pas vue, elle est en rupture de stock. Mais j'ai au moins eu celle-là et la palette verte. Et bon, je peux le faire. Très joli de rien. Et voici.